Et de retour. Elle vous dit bonjour. Par contre, elles sont très bruyantes quand même. Très très bruyantes. On est reparti. On va voir un peu ce qui se passe là. Wow. Sushi. On va un peu se balader. Avant de continuer l'histoire principale, on a une, normalement on a une quête là-bas au fond, là à l'ouest. Et, qu'est-ce qu'il y a là? On va voir un peu ce que ça... Qu'est-ce qu'il y a là? Ça c'est quoi ça? On a quelque chose à faire ici. On a une quête à prendre apparemment. Il y a des coffres aussi. Ok. C'est sous l'eau encore. Enfin, c'est sous l'île. J'espère que c'est une grotte qu'on peut récupérer en allant dans l'île. Pas sur le côté plongé. Quoi. Ouais, il y a une grotte là. Ok, d'accord. Très bien. Allez, plus vite! Vitesse maximale! Doucement! Le capitaine quitte la barre! Bon, ciao! Vous avez déjà vu un capitaine qui fuit son bateau parce que les gens arrêtent pas de chanter. Voilà. Il y a quelqu'un là-bas. Bonjour. Pitié, ne pars pas. Je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merci, ô Dieu, de t'avoir envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton équipage? Des pirates! Ils nous ont presque tous tués, mais ils ont emmené mon frère! Il faut que tu l'aides! Ah, dis-moi que c'est dans la grotte. Si tu as des drachmes. Je ne vais pas risquer ma vie ou mon navire pour le frère d'un marin. Sauf si tu as de l'argent à me proposer. Je suis pas marin, je suis charpentier. Et mon frère aussi. C'est notre père qui nous a appris le métier. Ah, j'aime bien le bois. Notre navire aurait besoin d'un charpentier. Ah, voilà. J'ai travaillé sur des navires et réparé des coques qui avaient des trous aussi gros que le point de Poséidon. Alors, sauve mon frère et je rejoindrai ton équipage. Marché conclu. Ça marche, c'est cool. Ça, c'est cool, ça. Où sont ces pirates? Où est-ce que je vais trouver ces pirates? Dis-moi dans la grotte. Il y a une île à l'ouest de la baie aussi et au sud du mont Helicon. On dit qu'ils viennent de là. Quoi? Où est-ce que je vais trouver ces pirates? Il y a une île à l'ouest de la baie aussi et au sud du mont Helicon. On dit qu'ils viennent de là. Ok. On va trouver ces pirates et libérer ton frère. Ah merde, putain, mais c'est pas du tout où je pensais en fait. À l'ouest, au sud du mont Helicon, au sud du mont Helicon. Et tu m'as dit à l'ouest, à l'est de je sais pas quoi. Ça doit être ça, je pense. Une vie de pirate. Son frère ayant enlevé par les pirates un charpentier accepta de rejoindre l'équipage. Cassandra s'y est sauvée son frère. Trouver le frère du charpentier et libérer les pirates. Ah, c'est là. Okay. Bon bah oui, sur une petite île quoi. Mais on... Ah, mais on l'a déjà sauvé le mec. En théorie. On y sera bientôt. Ouais, c'est le mec qui se faisait noyer là dans le bidon. Bon, on va voir un peu ce que c'est ça. J'ai oublié. Trois trésors. Let's go. Oula. Ça paraît pas vraiment. Ok.
Oh, t'es prêt, Indiana Jones? Let's go. Oula, ça va tomber. Ouais, ouais, t'es sûr. C'est marrant, on dirait que c'est brûlant. Ça n'a pas de sens. Ah non, c'est plus loin. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai pas l'impression de pouvoir franchir cette porte. Une autre fois, peut-être. Ah, une autre fois, peut-être. Vu comment ça tremble, j'ai l'impression que c'est un géant, quoi. Où j'ai mes blue air comme ça. C'est quoi ce symbole? Par contre, je veux voir si on peut pas récupérer le coffre qui était au-dessus. L'autre coffre, il a l'air d'être derrière la super porte, là. Ah bah. Non. Non, non. Ah, on peut se passer par là. Nickel. On peut sauter directement. Bon, bah plus tard pour le... pour la porte. Il est où notre bateau? Il est là. Bon, il y a une sorte de géant, les mecs, hein. Je pensais que c'est des conneries, des mythologies, tout ça, là. Tu peux pas m'aider toi? Non? Tends-moi la main. D'accord, ça me bat les couilles. Je serai ce dispute aujourd'hui. Ah bon? Regarde! Il est charpentier. Des pirates ont les enfants. Si on va le sauver, il travaillera pour nous. Alors, je suis des pirates! Du nerf et de la sueur, les gars! Allons l'aider! Encore! Enfin! Hein. Là c'est bête parce que du coup on est en train de refaire une île qu'on a déjà faite. C'est un peu bête. Allez, pleine vitesse. C'est bien là hein. On peut pas s'approcher plus en fait. Le capitaine n'est plus là-bas. Quittez vos postes. Ok. Bon, du coup, il n'y a plus grand monde, en fait. Ah, mais oui, mais du coup, en fait, le mec, il est toujours sauvé. C'est juste que...
Bah il est libre, mais on le connaissait pas. Mais on aurait pu lui parler. Bah, après, je me suis pas approché du mec. Hein. Peut-être qu'on pouvait lui parler en fait. Bonjour. Non, mais non. Ah non, maintenant t'es là. Mettre la personne qualifiée en sûreté. Oui. Où ? Sur le bateau ? Là, là. C'est ton frère qui m'envoie. Ah, Célia. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état ? T'en remettra. Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère ? Dis à mon crétin de frère que je... Ouais. Crise cardiaque ? D'accord. Est-ce qu'on peut le ramener ? Non, je peux pas sauter avec un corps en fait. Bon bah. Tu iras nourrir les poissons. Par contre, l'orage est vraiment cool. Après, j'ai envie de dire, moi je veux faire un personnage qui est franc et tout, hein. Mais il y avait zéro indication comme quoi le mec allait crever. Ah, il faut que je parle à l'autre. Vitesse de rame ! Attention ! Le capitaine quitte la barre ! Tu as trouvé mon frère ? Ah, mais il est là ! Où est-ce qu'il est ? Il est mort. Il n'a pas survécu. Non, non, non! Je vous maudis, Dieu cruel! Il n'y avait pas de Dieu sur ce bateau, seulement des pirates. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner. Il détestait la mer! Tenir une lance m'a souvent aidé à oublier la peine. Si tu es prêt à tenir parole, nous te donnerons un marteau. D'accord. Il n'est plus rien qui me retienne ici. Oh. Alors, je vais voir. C'est un bleu 3% blindage. Bon, nous on a mieux parce que, bon, oui, on a des trucs en or. Je sais pas pourquoi en plus. Mais ouais. Après, c'est des petites aides, hein. C'est pas énorme. C'est comme l'équipement, ça va vite partir au bout d'un moment. Non, on n'utilise plus le truc. Aucune chose en or. Trop bas en niveau. Mais ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa leur système de... Par contre, c'est quoi ça donc ? Oublier ? Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Du coup, c'est peut-être une grosse bestiole à tuer ? Je sais pas. Ouais, alors j'ai ça, moi. Un chemin dangereux. Niveau recommandé 10. Nous, on est 8, par contre. On peut aller voir, hein. Voir ce que ça donne. Ouais, c'est classe. Ça va, l'aigle ? T'es jamais fatigué, l'aigle ? Tu veux pas te reposer un peu sur le bateau ? Sans déconner. Après que les Assassin's Creed, personnellement, moi j'aime
pas trop le fait que ce soit que des assassins et tout machin. Je suis pas vraiment dans le délire en fait. Mais là, elle est... C'est une spartiate en fait. Donc c'est... Je sais pas, je trouve ça plus intéressant pour moi. Ouais, c'est ça, c'est cette île qu'on avait fait. On avait récupéré le mec. Ça, c'est quoi? Le Rutos. Trième légère athénienne. Ouais, c'est Athènes. Le capitaine quitte le bord. Voyons voir ce qu'elle veut qu'on fasse. Alors, gouvernement spartiate, dirigeant non découvert, fortifié. Ok. C'est toi qui as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais me rendre à une fête dans la cité. Ce genre d'événement attire toujours des gens intéressants. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les brigands, bien sûr. Ils se sont installés près de la route et s'attaquent aux personnes fortunées qui vont à la fête. Et sans parler des bêtes sauvages qui vivent dans toute la région. Ah, tu veux que je t'accompagne? Tu veux que tous les heures la loi soit tuée? Et tu veux que j'envoie tout ce monde chez Hadès? Non. Il est impératif de se débarrasser de toutes ces bêtes. N'en oublie aucune. Je vais t'aider. Alors je me sens sereine. Je reviendrai quand ce sera fait. Tu es des loups. Bah, ok. Bah, je suis étonné, là. Et si on tuait les loups plus les brigands? Est-ce qu'on a notre cheval, ici? Yeah, cheval téléportation, ça, c'est bien, ça. Cheval magique. Puis, Phobos! Ouais, d'accord, putain, ils sont là quoi. Alors, où est-ce qu'on pourrait se mettre? Ah, on peut. Y a pas vraiment d'endroit. Genre sur un arbre, mais je peux pas monter sur un arbre. Enfin, je crois. Ça la one shot? Ça la one shot. Très bien. Strictement rien. Ah, parce que les loups qui...
Ils font méga mal, ça va quoi. Le truc est one shot. Enfin maintenant ça one shot, mais il y a du feu là. Ça one shot plus donc ça devrait aller, mais. Avec notre armure ça devrait mieux se passer. Soldat léger. Est-ce qu'on s'en chargerait de... Ah non mais ils sont... Attends, ils sont méga loin. Ouais non, c'est méga loin en fait. Non, essaye pas de... Allez. Essaye pas de... Merde. Oh là là, je trouve plus mes mots, c'est horrible. D'anticiper, voilà. D'anticiper mes mouvements, tu me fais mal. Tu es de retour. Tu les as tués? Je me suis occupé de ces problèmes, jusqu'au dernier. Ah, nous étions destinés à nous rencontrer. Tiens, pour toi. Tu pourrais rejoindre mon équipage. Oui, elle avait un skill d'équipage, je crois. J'ai un bon équipage, mais il nous manque quelqu'un ayant tes talents. J'aimerais te prendre à bord. Qu'est-ce que tu en dis? La vie n'a pas l'air très facile en mer, mais elle ne l'est pas non plus ici. Je vais me joindre à toi. Cool. Minerai d'oricalque. Voir ce qu'on a eu. On a eu L, Chara, donc 3% création des points faibles par flèche. Création de points faibles par flèche. Ah oui, c'est les... Je pense que c'est les parties qui brillent, c'est ça? Et, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer dedans ou alors il faut genre foncer dedans avec le bateau? Peut-être foncer dedans en fait. Améliorer la coque pour engager plus de lieutenants. Comment on améliore la coque déjà? Alors, deux tablettes, 1400, 130 de bois et 80. Ah, on peut le faire. Alors, fais voir. Ah, bon, après, non, on va mettre des trucs. Lieutenant, réparation, oui, on l'a déjà mis. Ouais, on l'a déjà mis. Dégâts javelot, javelot incendié, dégâts si intégrité faible, non. Consommation d'énergie, des rameurs après navire ennemi brisé. Potentiel incendiaire par épronage, énergie des rameurs, bof. Blindage, dégâts des flèches, création des points faibles par flèche. Prendre du blindage en plus, je dirais. Non, dégâts des javelots. Non, les dégâts des javelots en fait. Est-ce que notre bateau a changé? Je vois un peu. Alors, peut-être des plus de choses dessus. On peut pas... Enfin, on a pas de belles vues en fait sur le... C'est pas grave. On avait un camp. On va peut-être y aller. Ouais, il était un peu loin, mais... Je me demande s'il y a des mods pour ce jeu-là, ce serait bien. Waouh, t'as autant de vie que ça? Mais les mecs, vous avez grave de la vie là, c'est ouf. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ils ont une prisonnière.
J'espère qu'on va pas le one-shot en assassin. Ils sont niveau 10, on est que 8. À moi, quelqu'un peut m'entendre ? Frapper sans arme, attaque discrète. Il nous faudrait plus de, d'habilité avec avec l'adrénaline en fait. Pas quoi que en fait non ça va. Sauve-moi, s'il te plaît. Tous mes remerciements. J'allais dire parce qu'en fait on a beaucoup d'adrénaline. Enfin on n'a pas assez d'habilité qui utilise de l'adrénaline, mais en fait si, on a juste les flèches qui défoncent tout quoi. Bon, par contre il y a mon habilité de d'assassinat à distance, là je le fais jamais. J'ai l'impression que ce truc on va l'enlever quoi. Que j'y pense jamais en fait. Voire faut que je m'habitue. Tout simplement que je m'habitue à le faire. Kira. On va voir un peu ce que ça donne. Ça veut dire quoi ça, ce symbole? Genre on peut l'acheter le mec? Louer ses services? C'est quoi ça? Des concurrents olympiques. Par contre, là-bas, il y a le mec qui nous chasse. C'est quoi ça? Soldat lourd, c'est des Spartiates? Il y a plein de trucs, oh là là, je comprends plus rien. Il y a plein d'icônes que je connais pas en fait. Genre, c'est les méchants ici, c'est les gentils. Est-ce qu'il y a des méchants et des gentils? C'est la question. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le chef de la région. C'est ça? J'imagine qu'on peut le recruter, peut-être. Ah, intéressant. Je me demande si on peut pas recruter les dirigeants comme ça. Juste le coffre, hein. Je veux pas me taper le mec. Hein. Je ne fais pas attention à moi. Si on me voit ici, j'aurai des ennuis. Ah.
la merde, c'est bien. Mais c'est trop lent. Voilà. Cassez-vous. Faites pas chier. Fais voir un peu notre prime, parce qu'en fait je fais pas attention. On va avoir une prime de ouf quoi. C'est à quoi notre prime? Ah 5 âmes, ça va, on risque rien ici. Y'a que ce mec là, la Bandaros. Ça va, il va pas se faire chier quand même. Crime vol, il va pas se faire chier pour 5 pesos quoi. Hein? Il va pas risquer sa vie pour 5 pesos. Ouais, alors eux, faut peut-être faire attention quand même. On va lui sauter dessus à lui. Civil qui est en train de me taper. Reste avec ton arc. Hein. Wow, on a esquivé. Casse-toi le civil. Balance des javelins, des javelots. C'est le mec qui nous chasse. T'inquiète pas, tu vas rien sentir. Bouge, bouge. Mais il a un chien aussi. Oh là. Ok, on est trop. Ils sont trop nombreux pour moi, j'avoue. Casse-toi le chien. Go for boss là. C'est énorme. Par contre l'autre il s'est... Du coup il nous a... Par contre mec t'es seul hein.
voleur de tombe. Attends, c'est qui lui exactement? Je comprends. Ça par contre, je comprends pas. Payer toutes les primes. Ouais, non, là on a augmenté, oui. Parce que bah, il nous a peut-être un peu vu tuer des gens en fait. J'avoue, je suis d'accord. Alors, Phi et Lof Laos. Le voleur de tombe. Alors, fais voir un peu. La plupart des mercenaires gagnaient leur vie en exécutant des contrats, mais certains, comme Vivos, empruntaient un autre chemin. Des gens disaient qu'ils le croisaient en pleine nuit, creusant là où il y avait enterré quelqu'un le jour même. La guerre fit sa richesse. Accompagné par un loup, donc on a défoncé le loup. Augmentation des dégâts dus au feu. Et okay. On n'a pas de feu. Beaucoup de vie. Allez, Mystios, on va voir ce que tu vaux. Je pense que le soin, ouais, serait pas mal. Hein. Le soin serait pas mal. On a eu sa lance, du coup. Là, on a défoncé le mec. Vaincu. Je pense qu'on va utiliser sa lance. Parce qu'elle doit être vachement bien. Alors, dégâts de guerrier, assassin, dégâts de crit. Ouais. Vachement bien. Comparé à ce qu'on a. Ça, c'est cool. Du coup, notre dette, comment on en parle? 64. 64. Ouais, il nous aide. Il nous aime pas, quoi. Mais ça va. On n'est pas recherché comme un fou non plus. Il nous reste 20 flèches, ça va. Donc ça, c'était ton chien, entendu. On y va maintenant. On va sauvegarder au cas où. J'ai envie de continuer de me balader là dans ce quartier là, ça a l'air marrant. Reste un mec à avoir. C'est assez drôle la façon de faire les choses. Je sais pas, j'aime bien. Par contre, lui, je voudrais bien. Je veux voir si on peut le recruter en fait, du coup. Je dois rester caché. Alors, faut voir un peu. Ouais, d'accord. Allons-y! Wow, wow, wow. Calme-toi. Merde! Casse-toi, toi. Arrête-toi! Allez, on est. C'est pas la tête. Genre, si on lui baisse la vie, on peut ou pas?
Oh la vie qui m'a enlevé quoi. La vie qui m'a enlevé le mec, c'est ouf. Oh, vache. Bon, on va peut-être partir d'ici. Non, il y a un coffre à prendre. Ça a l'air dangereux par contre. Ça a l'air ok. Elle a pas du gain, attention. Alors, on va sauvegarder. C'est vachement sympa, j'aime beaucoup moi de me balader, de faire un peu ce que je veux comme ça. Là. Ah, le mec il a 50 mètres. Faire attention. C'est lui, il a plein de gardes et tout. Baston de mercenaires. Pardon. Tu es le capitaine. C'est pas lui le capitaine. Ah. Oh merde. Théodosia Laceto, niveau 6. Oh, ça va. Cherchant toujours à noyer ses victimes, Théodosia Laceto était un servant. Une servante, pardon, c'est une femme. Servante de la mer. Ceux qui la connaissent disaient qu'elle ne résistait pas à l'attrait d'un hurlement poussé sous l'eau. Une faux dorée. Donc elle n'aime pas le feu. Certaines attaques peuvent réduire l'endurance de la cible. Un peu dans la merde. Faudrait que l'autre il se casse parce que là il me fait chier lui. On va pas le tuer, hein, mais... Très bien. Bon, bah on a fait notre... On a fait notre attaque. Attends.
T'es sérieux? Non, ok. Je crois que tu voulais me taper. Merde! Bon dieu, tout ce qu'il y a. Go. Bon, j'avais pas vu que c'était profond. Dans toi. Tu vas me rapporter une belle réponse. Wow. Pardon, 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 pardon. Ciao. Et ouais, on est archer. On est chasseur. Ah, c'est cool. Ça pète d'être archer là, d'être chasseur, ça tue. Alors, on fait voir. On a récupéré une arme. Je crois que c'est une grosse hache. Ouais. Elle est jolie, hein. Alors, dégâts de soldats spartiates, dégâts sur les animaux, dégâts de chasseurs. On va rester à la lance. La lance est pas mal. Je suis pas très très lance, mais celle-là, elle est violette et tout. Bon. Ah merde, il y a les trois. J'avais pas vu. Mieux vaut rester caché. Faut qu'ils reviennent. Ça, les civils, ils sont chill quand même. Hein. Ils voient qu'il y a du combat et tout. Ils sont tranquilles, les mecs. Hein. Ah, c'est difficile d'être un vrai archer. Oh putain. Ok, ça va, tu m'as touché une fois. Non, je suis pas là. Presque. Eh ben, c'est fun. Auberge explorée. On a tué plein de gens et tout. C'est bien. Explorer, ouais, ouais, c'est vachement exploré. Moi, c'est des cadavres partout.
Je me rappelle les histoires de ma mère. Plusieurs quêtes acceptées, sans déconner. Sans déconner. Ouais, non, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Je sais pas, peut-être le soin. Ouais, le soin pourrait être quand même pas mal. Ça pourrait peut-être nous sauver la vie. Après, le... Il y a ça. Ça m'intéresse aussi, quand même. Le fait de pouvoir les faire peur. Les aveugler, là. Ça m'intéresse aussi. Il y a beaucoup d'assassins qui m'intéressent, en fait. On va peut-être finir en assassin. C'est marrant, parce que j'ai dit que j'aimais pas le style assassin. Mais c'est vrai que, bon, elle, c'est plutôt... Ouais, on peut faire un mix, quoi. Ah, je sais pas, ça m'embête. Je sais pas du tout. Je voudrais bien tester ça, ouais, les triples flèches, là, aussi. Peut-être que c'est bien, aussi. Enfin, quoi que ça, on fait ça dans la tête à chaque fois, ça marche bien. Ouais. On va attendre pour le moment, encore une fois. Comme j'ai dit, on attend. Alors, fais voir, toi, t'es une quête ou quoi? Tu as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Des pirates ont coulé un navire marchand et une caisse de bon vin a fini au fond de l'eau. J'en ai besoin pour mon banquet de ce soir. Tu dois pouvoir le remonter, si tu n'as pas peur de te mouiller. Le problème, c'est qu'il faudrait beaucoup de courage pour nager dans de telles eaux. Le courage que je n'ai pas. Les pirates sont toujours là et on y a même aperçu un requin. Donc, je dois couler des navires pirates. Par les dieux, tu lis dans mon esprit. Ouais. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. Bien. Tu me rends vraiment un grand service. On en a fini. On en a fini. Tu peux te retirer. Alors, c'est moi qui viens te voir. Alors, toi, c'est quoi ? Kéré, l'ami. Une mercenaire pourrait être utile ? Toi ? Tu navigues avec Barnabas à bord de l'Adrestia. Comment le sais-tu, étranger? J'ai navigué avec lui, moi aussi. Jusqu'à ce qu'un pirate m'enfonce une lame dans le dos. Maintenant, j'ai du mal à me tenir droit. C'est toi qui m'as remplacé. Veux-tu que ça me fasse? Je ne suis pour rien dans l'état de ton dos, ni dans la décision de Barnabas. Peut-être, mais maintenant, je ne pourrai jamais prendre la mer avec mon fils. Tu m'as tout pris. Alors à mon tour de tout te prendre. Quoi? Blessure au travail. Échec de la quête. Quoi? Blessure? C'est quoi cette quête? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut voir les quêtes? Quêtes d'extension. Les quêtes échouées. Bon, bah on a échoué une quête parce que l'autre il est vénère, quoi. Personnaliser le genre de l'histoire, faut voir quête. C'est quoi ça? Quête suggérée. Non merci. Désolé, ça m'a ouvert. Un lien internet, c'est bien ce que je pensais. Désolé. Bon bah on va défoncer le mec qui s'est vénère là. Mais putain, mais arrêtez de me faire chier. D'accord, du coup c'est elle. Ah oui, c'était elle qui était à côté, c'est bien ce que je pensais. Oui, bah désolé.
Ça, c'est un peu con, ça, par contre. Ça, c'est un peu con. Ah, c'est pas grave, c'est pas ma faute, hein. Non, mais... là-bas, toi. Quête. Par contre, je viens de me rendre compte que la lance, ça pourrait être pas mal pour nous si on fait archer. Parce que le coup chargé après une riposte, ça... Ça repousse extrêmement loin, en fait. Non, mais je veux parler à la personne. Arrête de bouger, je vais t'assassiner. Quoi ? Assommer, assassiner. Attends. C'est sûrement une quête que j'ai. On a plein de quêtes, je suis désolé, je suis perdu. Alors, terminer tous les objets de la demeure, terminer tous les objets de la fort. Parler à l'éther, ça à 800 mètres. Prime sur brigand, tuer le brigand, 1 mètre. Prime sur l'homme politique, un homme politique donne trop d'argent au temple. C'est le peuple qui en a besoin, tue ce crétin. Prime sur navire spartiate. Attends. Putain, lancier. Genre détail bleu, lance. Ouais, non. Confirmer l'assassinat. On prend lui la tête. Livrogne chanceux. Putain, mais les mecs, ils arrêtent pas de venir en boucle, quoi. Alors, Tyrinthios, maintenant. Livrogne chanceux. Aimer deux choses dans la vie. Boire et se battre. Il ne brilla jamais par son talent, mais parvient toujours à être victorieux. Beaucoup disaient que les moires veillaient sur lui. Mais d'autres évoquaient un type d'aide différent. Alors, il a conscience. Réduction des dégâts dus aux assassinats. Ouh. Et réduction des dégâts dus au poison. D'accord. Le mec, il est intelligent, quoi. Pourquoi ils viennent tous nous voir? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, d'accord. On a quasiment 300 pesos là sur... Ouais. On a quasiment tué tout l'échelon 9 quoi. Oh là mon dieu, il y en a plein qui sont activés. Enfin, pas plein mais... Ça ne fait quasiment aucun dégât, quoi. Loupé. Wow, t'as les flèches de feu. T'as des bombes aussi. Je sens tes forces te quitter. T'as dit que chourier, mec. J'aime pas trop le terrain. Thank you.
dû faire un critique, ça. T'es mort ? Confirmer l'assassinat. Adieu. Mourir l'arme à la main, c'est digne d'un mercenaire. Oh, et bien. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré des bons gants en or, là. 2% de santé, dégâts de guerrier. Et après, ensemble de héros grecs, on a 30% à toutes les résistances. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ah, c'est guerrier, quoi, mais c'est pas mal. Ça nous aiderait à se défendre un peu plus. Bon. On va voir un peu notre bois, là. Ça va. On a récupéré quand même beaucoup de bois avec, avec le bateau. Bon, et si on se cassait d'ici? Oh la vache. Dirigeant à bien protégé dans les temples nationaux. Ça va. Alors, lieu. On a Pandaros qui est là. Niveau de prime, niveau 10. Vol, meurtre. Payer la prime. Non. Par contre, je vais peut-être faire ça et on se casse après. Attendez. Ça se passe bien pour le moment, mais on... Enfin, je pense qu'on prend des risques un peu pour rien. J'en sais rien, en fait. Je sais pas si c'est bien ce qu'on fait, enfin, si c'est normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, c'est quoi ça? Ah tiens, on a trouvé le mec qui nous chasse. Ou la femme. Alors, Kybelle, l'enjoué. Certains aiment tuer plus que d'autres. On dit qu'il suffisait de regarder Kybelle, l'enjoué, lorsqu'elle égorgeait quelqu'un pour voir la satisfaction que cela lui apportait. Hein. Ce même contentement se lisait aussi lorsqu'elle observait des gens fuyant l'incendie qu'elle avait allumé. Putain, elle est accompagnée par un ours, quoi. Ah, mais c'est l'échelon 8! Chaud. Quoi ce bruit? Ah oui, toi. Bienvenue, mon ami. Je suis Sargon, consignataire d'antiquités mythiques et extraordinaires. J'ai tout ce que tu pourrais désirer, et bien plus, à titre onéreux, bien entendu. Tu sais te vendre. C'est presque trop beau pour être vrai. N'essaie pas de me rouler, marchand. Par les dieux! Jamais je n'oserais essayer. Je suis toujours prête à dépenser quelques drachmes si le prix est raisonnable. Je n'accepte pas les drachmes. La seule monnaie qui m'intéresse est l'oricalque. Jamais entendu parler. Comme beaucoup de gens, heureusement. Ici, si, on en a. C'est un métal précieux d'une époque ancienne. Il possède des propriétés que Sargon, ton serviteur, trouve attirantes. On en a. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends, au juste? Beaucoup de choses, mon ami. Beaucoup de choses. J'ai des armes, des armures, des vêtements et des accessoires pour toi, tes amis et même ton navire. Très bien. Voyons ce que tu proposes. Alors, concurrent olympique, des quêtes quotidiennes et des contrats de guerre ou primes spécifiés pour procurer des fragments de récalque. Vous pourrez les échanger auprès de Ah, peut-être qu'on en a pas en fait. Sargon contre des objets épiques ou légendaires, où c'est les dieux décidés choisissant les cadeaux olympiques. Tu veux voir un peu? Alors, c'est quoi ça? Une monture? D'accord.
supérieure de proue de sphinx. Ouh, 40, ouais, on en a 15. Si, si, on en a. Cadeau olympique contient un objet épique. Objet épique à légendaire afin d'équiper votre personnage ou navire, y compris les objets du magasin. Faux de guerre, on l'a déjà celle-là, ok. Ça va, sympa. Bon, faut faire gaffe à l'autre là qui nous chasse. Ouais, pousse-toi, gamin là. Très bien. On va synchroniser le lieu. Il faut qu'on regarde pour tuer le mec là qui nous chasse là. Pour 300 pesos là. Très bien, alors fais voir. Bon, elle, elle fait chier. Lui, par contre, enfin, elle, elle fait chier avec son ours, quoi. Ah, elle nous chasse, elle sait où on est, où. Quoi. Et il nous fait chier, son ours. Elle est vénère. Par contre, je voudrais bien aller vérifier un peu le mec là qui. Notre mercenaire là. Voir si on peut se le faire ou pas. Ouais, d'accord, ok. Je suis pas sûr que ça passe. Ouais, non, le mec, les mecs niveau 10, ça va, parce que sinon on va mettre 3000 ans à les tuer, ça va être une horreur. Alors, on va partir. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Là. Des porteurs d'arc. Je me demande si l'autre nous suit. Est-ce qu'elle peut défoncer les gens qu'elle trouve? C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Est-ce qu'elle peut... Genre, je sais pas. Est-ce qu'elle doit pas être... amie avec qui que ce soit? Elle, elle est bien à prendre, éclaireuse, en fritrite. Je vais essayer de la capturer, mais je sais pas comment on capture sans... On fait pas assez de dégâts, je crois. Je vois pas trop comment le faire. Par ici. Il faut plus de dégâts en fait. Il faut plus de dégâts de pour les assommer.
D'accord, donc là ça embatte les noix. Bon, par contre si c'est que des archères toutes, ça va être relou. Hein. Ah ouais, non mais vous me faites chier en fait. Je sais pas, ça va être 4 fois que je te siffle. Viens! Dans cette petite fougère, ça passe? Non, on aurait étonné aussi. Vas-y, viens voir. Faire des idées. Ah, ah, pardon, pardon. Je crois qu'elle m'a vu. Je crois que c'est l'autre qui s'énerve là, à tirer des flèches de feu. Putain de toi. Ah putain! Elle m'a défoncé quoi. Je voudrais pas la tuer. Je veux voir si on peut l'assommer ou pas. Elle est juste là. Tu as de quoi payer 40, j'espère. Ah non, un truc de soin, ça serait pas mal. Je voudrais bien. Vas-y, non, tu veux pas? Bon. Je sais pas. Je sais pas. Là, ça peut plus s'afficher en fait. Donc j'imagine que si on peut pas le faire en une fois, ça marche juste tout simplement pas. Je crois. Mais parce que je me suis peut-être qu'on peut le faire plusieurs fois du coup. Enfin, ou alors il me faut tout simplement des habilités pour aimer les gens quoi. À la limite ouais il me faut des habilités pour assommer les gens. Ça plus tard. Du coup, ouais, mais j'hésite entre le soin et. Alors, c'est quoi pour assommer les gens? Emploi de flèches incapacitantes pour assommer des cibles ou de les tuer. Fabrication des flèches dans l'inventaire. Ce serait ça, du coup. Emploi des flèches incapacitantes incendiaires et toxiques. Donc maintenant, je peux faire ça. Donc c'est 2 bois et une peau. Alors, avec son bois arrondi, les flèches incapacitantes infligent davantage de dégâts et peut assommer une cible. Est-ce qu'on peut changer les...
Ok, on peut. Ça marche. Bon, maintenant j'ai les flèches incapacitantes. Allez. On va se balader un peu. C'est quoi ça? Des oliviers, ça? Allez. On dirait le Vince. Bonjour. Vous allez bien? Avance. Ok, il y a du monde. C'est quoi? Ce sont Nelos. Sentium de main. Brut. Allez. Ok, ils ont pas l'air d'être nombreux. On peut tester les flèches là. Ça m'intéresse. Allez. Je vais devoir faire très attention par ici. Je vais voir si je vise le mec. Tu peux me faire sortir? Chut. Pas normal ce bruit. Le champ qu'on va faire, on va pas le one shot. Sale pute quoi. Ah, les incapacitants, tu peux en récupérer, ok. Sérieux, il branle rien lui ou quoi? Ah, ça a rien fait! Ah, mais je crois. En fait, je crois que j'ai compris. Attends, l'autre il va pas me tirer dessus quand même. Je crois que j'ai compris en fait le système. Je tue pas. Ok. Ok, incapacité. Okay, très bien. Recruter. Va okay. Voir un certain Barnabas sur mon navire. T'attendra. Ok, j'ai capté maintenant. En fait, dans ma tête, pour moi, les tuer. Enfin, pour moi, le genre baisser leur vie à zéro, c'est les tuer. Mais en fait, non. Là, j'ai baissé la vie, mais. Et après, j'ai fait la flèche, là, enfin, les trucs qui incapacitent. Et. Ça les met genre à 1 HP et ils sont encore en vie. Et après, on peut les finir en fait au sol ou alors les recruter. D'accord, j'ai compris. J'aurais dû faire une sorte de deux barres. Enfin, moi, après, je suis habitué à ça dans certains jeux. Genre où t'as la barre de vie, mais t'as aussi genre la barre de conscience. Et après, tu le mets inconscient ou un truc comme ça. Ils auraient peut-être dû faire un truc comme ça. Mais ça, maintenant, j'ai compris. J'ai compris. Ça va.
C'est sympathique. Donc maintenant, je sais comment recruter les gens. Bah avec les flèches incapacitantes, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du coup. Il faut me sortir de là. Je ne croyais plus à ma liberté. Oh, maintenant on trouve des flèches incapacitantes aussi. Ça, c'est bien ça. C'est vraiment cool. Bah putain, on a fait plein de flèches ordinaires incapacitantes et tout. Donc en gros, il faudrait combattre avec flèche normale, puis après, si on veut recruter, il faut finir avec flèche incapacitante. C'est sympathique comme système, ça, au final, ça va. Pour les habilités, je suis pas encore complètement sûr de quoi utiliser. Pour le moment, l'habilité qu'on utilise le moins, c'est l'assassinat à distance. Ça, on l'utilise quasiment pas. J'ai dû le faire une fois. Je sais pas si on va pas le virer pour le moment. Éclaireuse. Mais elle est niveau 40. Bah, j'imagine que sa quête, ça va être super élevée en fait. Oh. On se met en route. T'es niveau combien? T'es niveau 10, mais t'as masse de vie. Par contre, ouais, les ennemis, en fait, quand on voit genre niveau 10 ou... ça veut pas dire grand-chose, hein, quand même. Hein. Genre, par exemple, la fille qui nous chasse... Pourquoi je suis en combat? La fille qui nous chasse, là, avec l'ours, là. Genre, on vise dans la tête, ça lui enlève quasiment pas de vie, quoi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces terres sont sacrées. Tu ne devrais pas être ici. Eh bien, pars ou dis-moi ce que tu veux. Qui es-tu? Une Mystios. Je ne viens pas créer d'ennui, mais si tu en cherches, je suis là. Donne-moi ton nom. Cassandra. Certains m'appellent la porteuse d'aigle. Je suis Daphnae, la supérieure des filles d'Artémis. Et tu es... peut-être la personne que je cherche. Quel genre de personne cherches-tu? Une guerrière, une chasseresse. Quelqu'un qui reste neutre vis-à-vis du monde et des dieux. Quelqu'un qui relèvera mon défi. J'accepte. Présenté comme ça, comment pourrais-je refuser? Il y a un sanglier pas très loin d'ici. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Tu veux que je tue un cochon? Ce n'est pas un sanglier ordinaire. Voyons si tu es à la hauteur de mon défi. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Je t'attendrai avec ta récompense. Mmh. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire ça. Fais voir la quête, le niveau de la quête. Ouais, niveau 13, ça va. Un arc en or? Nord des terres sacrées d'Apollon. Attends, c'est un arc en or quand même. Moi ça me va parce que vu qu'on veut faire chasseur. Ça peut être intéressant. Thank you.
temple d'Artémis. Perception du carré. Carus a cru. Allez, 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 on se motive. Je vais faire une sauvegarde par contre, parce que je fais tellement de sauvegardes rapides, j'ai un peu peur que. Voilà. Alors, on peut voir un peu. Donc. Alors, je vais voir. Il faut que je comprenne où tu me le dis. Alors, chasser le sanglier de Calydon étant Phokis. Phokis, ouais, bah c'est où c'est qu'on est. Il se trouve dans la partie nord des terres sacrées. Là-bas, du coup. Phokis est ici. Dans le nord. Je sais pas, peut-être là. Ah, marécage! Ah, mais c'est en couleur comme ça, donc ça veut dire que c'est notre quête, en fait. Ah, d'accord. Putain, mais il nous aide trop. Même le mode exploration, en fait, il nous aide trop. Si je mets ça, par exemple. Non, c'est en or encore. Bah, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ça, en fait, je crois. Il est dans un plateau marécageux. Oui, ça a l'air marécageux, là. Donc oui, ça doit être ça. C'est là-bas. Putain, on en vient. Oh là là. Allez, c'est parti. Il y a des trucs à voler sûrement chez elle, mais... On va peut-être pas aimer, quoi. Ah non. Bon, si c'est pas du vol, hein. D'accord. Ah! Il y a plein de gens sur la route. Bon, il va faire peur le machin, j'imagine. Niveau 13, hein, on est 9. Ah, par contre, on est 9. On a. Nouvel équipement. Alors, on fait voir. Yes. On a ça. Non. On a ça. Ouais, on va le mettre. Là, on a. On perd en guerrier. Dégâts de guerrier. Dégâts d'assassin. Moi, c'est surtout l'armure en fait. 9. Surtout l'armure qui me fait peur. Donc, il faut qu'on augmente notre armure. Là, on perd juste 2 guerriers. Ouais, on perd pas beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Doucement. Oh mon dieu, mais on va tellement galérer. Je sais pas si on le tue niveau 13. Hein. Je peux plus sauvegarder. Je sais vraiment pas si on le tue. On va voir, on va tester. On a un point d'aptitude. Est-ce qu'on peut pas mettre... Est-ce qu'on peut pas utiliser genre poison? Est-ce que ça serait pas utile? De Calydon. Je suis en train de me dire, est-ce que, genre, poison, ça pourrait pas nous être utile? Alors, dégâts toxiques aux armes corps à corps, les flèches ordinaires pendant 15 secondes. Ça peut être pas mal. On va tester. Parce que je veux bien tirer des flèches de poison, moi, en fait. Voir un peu les dégâts. Je vois pas sa vie.
vois pas sa vie qui s'affiche. Ah, ça y est. Oh la vache. Oh, il va me one shot. Ouais, d'accord. Il s'est remis de la vie ou quoi? Par contre, le poison, ça a l'air de fonctionner. Enfin non, il n'est pas augmenté encore. Ok, on est de la vie. Non mais jamais on le tue, ouais, non laisse tomber. Le seul moyen ça serait qu'on le fasse tomber quoi. Ah mais là il reset et il a pas quoi que... Attends. J'arrive pas à lui mettre du poison quoi. Non mais il est full vie là. C'est quoi ça? Il régène? Je voudrais bien placer le poison une fois en fait. Moi, ce que je voudrais, c'est juste lui mettre le poison une seule fois. Et voir un peu les dégâts, si on peut faire quelque chose de le tuer ou dot ou un truc comme ça. Oh non, putain, il y a quasiment plus rien déjà, quoi. On lui a mis le poison. Oui mais il régène en fait. Ouais, non il régène. On fait un peu chier parce que là on a utilisé... Bon, c'est pas grave, c'est juste du bois. On a utilisé un peu de... Un peu de bois, mais c'est pas grave. T'es sérieux? Elle est là. C'est qui ça? C'est qui ce mec? Boethos, fils de Sirène. Boethos aurait été l'enfant de Sirène, si on dit aussi que sa mère était une reine de pirates mortes en mer. Boethos hérita de la flotte et des équipages de sa mère, ce qui
de lui une cible de choix. Les gens dirent avoir entendu des chants des sirènes alors qu'il traquait. Ah ah. C'est simple, la vie. Tu meurs et je gagne de l'argent. Voilà. Je ne m'attendais pas à gagner aussi facilement. T'es débile ou quoi? Fidèle, tu es un bon ami. Voilà, on a défoncé le mec. Et on a des nouveaux en fait qui sont venus, qui remplacent à chaque fois. Ça marche. Par contre, donc du coup, on a des dagues bleues. Dégâts de chasseur, adrénaline par crit, dégâts assassin guerrier. On peut peut-être utiliser les dagues maintenant, vu qu'on a du poison et tout. Peut-être que ça passe mieux. Bon, le à plus tard, hein, le super cochon là qui se soigne et tout là. Qui régène. Ça c'est quoi ça? Ouais, non mais on va peut-être pas faire une forteresse. Bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait? Non non non. C'est bon, ça ira. Ah putain. Plein de bestioles partout dans cette forêt. J'avoue, c'est un peu normal, mais bon, quand même. C'est pas une raison. Cassez-vous les machins! Non mais oh! Je veux pas que je travaille! Par contre, on est tellement mal placé. Ouais, les decks c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir plein de trucs. Pour le moment, je vois pas trop le poison être très utile. Mais bon, on verra ça. Plus un couteau. Ah, mais ça doit être la bricole.
Ou bric-à-brac à vendre. Ouais, pour le moment, je vois pas trop. Le poison. Ça va être très utile, mais. Après, il faut l'augmenter, puis en plus, il faudrait des dégâts poison pour que ça soit bien. Mais je pense que pour nous, ça colle bien, assassin archer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On voyage encore ou on se casse? Ah, c'est super addictif en fait de se voyager, de. Trouver des choses et tout. Alors, c'est quoi ça? Encore une villa. Ça m'a l'air ok. Faut que je regarde ce que c'est, ces symboles bleus, violets là. Putain, il est juste là le truc, je suis sûr. Ok, c'est quoi ça? Je sais pas exactement ce que c'est, il n'y a pas d'interaction, il n'y a que dalle. Non, je sais pas, on verra ça plus tard. C'est l'heure de tuer. Ouh. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne. Le protecteur. Il a l'air vénère lui. Hein. Il a l'air vénère. Peut-être attaquer de l'autre côté en fait. Salut, ça va? Oh waouh, sympa. L'air d'avoir beaucoup de vie. Évidemment, il faut que les deux viennent où je suis, de sérieux. Quel foutage de gueule. Ouais, non, je peux pas les tuer en fait. Tellement mal mis. Là, t'es vénère. Nouveau mercenaire découvert. Quoi? Laisse-moi deviner, c'est ton chien? Ils sont tous contre moi, quoi. Je suis dans la merde, en fait. Dans la merde. Je
Allez, on y va. Bon, si toi tu... Si toi tu restes solo, mec, on va en profiter. Après, je peux le 1v1, le mec. Hein. Je peux le 1v1, pas de problème. Il va bien tuer son chien, en fait. Ça, c'est fait. Ah, encore des problèmes. Il y en a un autre à côté. Je boirai à ta mère. Découvert. Je crois qu'il est à côté de nous. Alors, Tecton, le grand bœuf. Tecton fut moqué par sa taille, mais il cessait dès qu'il entendait quelqu'un rire de lui. Il chargeait le plaisantin et l'envoyait voler au loin. Par la suite, on l'appela le bœuf. Il ajouta les chiffres grands. Réalité, Tecton, dégâts du poison, rage, approche la mort. Alors, on a eu ça. Assassin, santé, pas mal. C'est bon pour nous. On a eu ça. Qu'est-ce qu'on a de bien ? Non, on a rien. Ah, les dagues, en fait, je suis pas sûr que les dagues soient vraiment bien. Ça m'embête. Les dagues sont sympas pour augmenter, en fait, notre adrénaline. Ça c'est vraiment cool, mais honnêtement, ça fait que dalle quoi en dégâts. Il faut que ça mette des buffs tout le temps. Je dirais à la limite que j'en sais rien. La lance est mieux parce que ça... en plus ça fait pas tomber les dagues. J'ai l'impression, ça fait vraiment pas du tout tomber. Même les attaques chargées, contre-chargées. Ouais, je dirais que la lance est mieux pour le moment. Au moins ça fait tomber, ça repousse, c'est ça qui est vraiment utile. Oh. Bon, en tout cas, moi j'avance là, mais je sais pas où je vais en fait.
On peut retourner à notre bateau et faire un peu avancer un peu dans l'histoire principale peut-être. Parce que là, là j'avoue, là on s'est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ça. Parler à l'étayer. C'est où ça? Oh mon dieu, c'est méga loin. Prime sur les brigands, tuer les le brigand. Là aussi. Ah bon bah à la limite. À la limite, on peut aller là-bas. Bon, faut passer la ville par contre. On va passer la ville et je vais m'arrêter. On va passer la ville sans se faire repérer, peut-être, ça serait bien. Non. Genre, on peut voler des chevaux aussi. Intéressant. Mais ouais, on a beaucoup de mercenaires à notre trousse. Hein. On a vraiment beaucoup de mercenaires à notre trousse. On les enchaîne d'une force, quoi. Ok, ouais. Ouais, non, ça va. J'ai compris. Plus tard. Par contre, on a un lieu de repérage. Je vais peut-être faire le lieu de repérage et après on s'arrête. Allez. Avant d'avancer, la petite sauvegarde rapide. Allez. Ok, on a trouvé le camp. On va faire le repérage avec l'aigle. Puis après, on va s'arrêter et on continuera là. Continuera la mission juste à côté. Mais ouais, pour les armes, pour le moment, alors les dagues c'est sympa, ça tape très vite et tout, c'est très bien pour mettre un debuff, genre le poison et tout, j'avoue. Après, je crois que nous, on utilisera genre les trois flèches, je pense que ça peut être vraiment bien, tirer trois flèches pour mettre les debuffs. Donc à la limite, on n'a pas besoin de quelque chose qui tape fort. On peut juste tirer trois flèches, donc il faudra récupérer ça en aptitude. Celui-là. On peut sûrement mélanger les deux. Ça, bah oui, voilà quoi. Assommer, ça marche. Après, est-ce que j'aime bien le... Après, on m'avait dit que le guerrier pouvait faire du feu. Je crois. Alors, exploitation du feu des Phaistos, impliquant les dégâts de feu aux armes, au corps à corps et aux flèches ordinaires pendant 15 secondes. Le feu, ça peut être intéressant. Après, si on prend ça, c'est quoi? Vous connaissez bien, les substances toxiques cumulent des toxiques accrus de 25%. Ouais.
20 secondes, les ennemis sont intoxiqués. 20 secondes, là non, on a 15 secondes. Après on passera à 20, puis après j'imagine 25. C'est pas beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas énorme, énorme, hein, quand même, hein, le poison. Ça dure pas très longtemps. Pour l'instant, oui, on n'a pas vu de trucs extrêmement chouettes, quoi. Ouais, mais bon. Donc on va continuer avec ça. Pour l'instant, je sais pas trop quoi penser de mon build. on fait très mal avec les flèches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc on va faire ça. On va faire des quêtes qui sont dans ce périmètre-là, si on a des quêtes de notre niveau. Et après, on partira. Et on continuera la quête principale d'histoire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le navire, le système du navire. J'aime beaucoup... le jeu. J'aime beaucoup le jeu. On va sauvegarder. Et ça sera tout pour notre épisode. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ouais, notre assassin Archer. Ça va être fun. À la prochaine. Ciao.